Yep là, et bonsoir à tous, bienvenue sur le stream. Et du coup, il y a déjà plein de monde. Salut Artix, salut Arrest, salut Ruguin, salut Christophe. Alors attends, je lis juste vite fait ce qu'il écrit. Papapam. First Post Gaming Spotty, nanana. Trial Master Rank 19, c'est Full Steals. Oh, dur. Demain, c'est grand jour. Elle est Ashes of Mumut. Ouais, mais du coup, comme je disais, je pense que je vais pas streamer en fait. Je pense que demain, je vais faire du Cuphead en fait. À mon avis. Après, jeudi, je sais pas trop ce que je vais faire. Et vendredi, j'espérais qu'il y aura Warframe. Parce qu'en fait, ça m'embête de commencer. Ça m'embête de commencer. De commencer Grim Dawn si c'est pour pas continuer, en fait, quoi. Donc voilà, quoi. Papa, faut juste faire des quais en fufu. Tada, c'est similaire à un autre trial d'avant. Pas de compétences de Warframe. Ah mince. D'accord. Ah, ça va être trop lourd, ça. Bref, ce soir, découverte donc de Mega Strike. Alors qu'est-ce que c'est? Tu vas aller 3 minutes sur Cuphead et tu vas passer sur Game Dundia. Oui, c'est possible ça. Ça, c'est possible que je queen rapidement sur Cuphead. Hein. Donc, découverte de Mega Strike, qu'est-ce que c'est? C'est du Metroidvania en fait. On va pouvoir switcher entre trois personnages différents. Avec donc évidemment des pouvoirs différents. Je l'ai pas encore lancé, ça a l'air plutôt cool. On va tester ça. Hop, new game. Normal, très bien. Toute façon, quoi qu'il arrive, demain j'achète Grim Dawn, hein, donc il sera téléchargé. Effectivement, si Cuphead me gonfle, je switcherai quoi. Mais ça m'embête de commencer Grim Dawn sans faire tout d'une traite en fait quoi. Oui, non, mais Cuphead, il est au-delà du difficile. Hein. De ce que j'ai vu, c'est vraiment du tryhard infini pour terminer le moindre niveau. Donc je pense que ça va vite me gonfler, ouais. Bah zut alors. Bravo le docteur Omega, quoi. Il voulait créer des super soldats et ça a merdé, quoi. Qui est dur pour une mauvaise raison. Bah, y a chez moi qui disait qu'apparemment l'avant-dernier niveau, les paris, ils marchaient pas très bien quoi. Donc voilà les trois persos qu'on va pouvoir utiliser quoi. Ça a pas demandé, il a créé des super. Ouais, alors effectivement, il a créé des super soldats. Par contre, il a plus la main dessus. C'est là où ça a merdé quoi. Le style comique des années 30, j'y adhère pas. Ouais, ça par contre, c'est un truc où j'aurais du mal aussi, quoi. On peut craft les Crater Islands, can be craft, blueprint, above, platinum, from the market as well. C'est quoi les Crater Islands? Ok. D'accord, voilà. Ok, alors donc on se déplace avec ça. On saute avec le vert. On shoot avec le Y, spécial, swap, pause, map. Ok. Bon, du coup, il n'y a pas de mission infinie. Ok, donc là, je peux. Ok. Ah, c'est que, c'est. Sir. Le BP juste pour une blueprint une fois pour récupérer du focus et pouvoir up le school tree. D'accord. 200 000 crédits, le blueprint à chaque lens. Waouh. On entend pas du tout le jeu, merde. Bah attendez, je vais augmenter le son alors.
Vous me direz, ça va mieux comme ça. Il faut 4 laisses normales pour une Gretar. Ouais, d'accord. Ouais, du coup, ça va être super long à monter, alors là, le focus. Hein. Dex and Lipaya, 21 character, double jump. D'accord, donc oui, il a un double jump, ok. Un accès dans le from the post menu, ok. Alors, continue abilities, inventory, map, options. Ok, donc il y aura des weapons upgrade après. Donc il y en a un qui a le Soldier of the Beard. Ok. D'accord, donc en gros, le gros costaud il peut pousser des objets et lui il a le double jump. Et l'autre, on sait pas ce qu'il a. Donc, l'inventaire, j'ai un medikit, ok. La map, très bien. Life cube, ok. Ouais, j'imagine quand j'aurai assez de life cube, j'aurai un point de vie en plus. Hein. Ah, mais c'est cool, ça repop à chaque fois, le casque. Ah, du coup, on peut complètement farmer les crédits en fait. On peut exploiter pour récupérer des pièces. Bon, j'ai pas envie, parce que ça va prendre des plombs, mais on peut. En tout cas, après un peu spoiler, t'as rien vu. Qu'est-ce pour la prochaine extension? Ouais, c'était déjà un peu en place en ce moment, mais ce sera plus utile sur la prochaine extension, quoi. Mettre du focus dans la soupe, c'est bizarre. C'est bon soupe avec des lardons. Le focus? Tu es stone, Bernardo? Exploit bug, GG. Ouais, c'est pas un bug. Hein. Voilà, donc là, ok. Donc lui il peut pousser les trucs. Hein, voilà. Il a appelé crime. Ah c'est marrant, je peux retaper la tête en l'air. Je pouvais pas aller plus haut là, je crois, sur
Il y a vraiment tout qui ripop à chaque fois qu'on change de zone en fait. Merde. Ok. C'est mes yeux lits comme ça. Écoute, moi ça va bien aussi. Hein. Si on prend une parallax scrolling au bout de 2 semaines, bon, en gros 5 heures, je fais début des 4 ans au niveau techno. GG. On temps avec ça, à l'époque, t'es le roi du monde. Hein. C'est quoi ça? Ah, téléport, d'accord, une pointe de sauvegarde. Et qu'est-ce que je veux dire? Ouais, du coup, je pense que ce que je vais faire en fait, c'est que demain soir, je vais faire du Cuphead. Si jamais ça me gonfle de trop, je passerai sur Warframe. Et je pense que jeudi je ferai quand même du Warframe, même s'il n'y a pas les planes. Je continuerai à monter mon compte en fait, tout simplement quoi. Je continue à leveling, débloquer les planètes, et ainsi de suite quoi. C'est vraiment, ça m'embête pour Grim Dawn quoi. J'ai vraiment pas envie de commencer une partie et de m'arrêter au bout de quelques jours. Je jouerai à Ashes, mais je pense que je jouerai toute une traite, ce sera quand même vachement mieux quoi. Cuphead est trop bon, bah je suis pas certain en fait, je pense moi ça va me gonfler en fait. Comme je disais, j'aime pas forcément recommencer 50 fois les mêmes choses, donc je pense qu'il y a vite me gonfler en fait. Et après le rendu classique des cartoons des années 30, c'est pas vraiment un rendu que j'aime beaucoup en fait. Bestiaux est enragé. Ouais, mais clairement, pour les trucs là, t'as vite tendance à me gonfler, hein. J'aime pas recommencer plusieurs fois les mêmes choses, quoi, donc. Et là, pour ce que j'en ai vu, c'est vraiment ça, quoi. Tout le jeu est basé là-dessus, quoi. En gros, tant que tu connais pas par cœur tous les patterns, tu passes pas, quoi. Ça manque d'une roulade ce jeu. Merde. Ah, passage secret. S'il te plaît, quoi. Alors, palalala. Je suis dé que la durée de vie est assez courte, mais où est son prix? Ah, il y a quand même pas mal d'heures de jeu hein, pour t'amener à mon normal, quoi. Un truc en tête, mais avant, je dois me faire les armes sur C++, c'est Vulcan. 10 mecs qui ferment en boucle level 3. Ouais, mais c'est pas pareil, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Quand t'as joué Dark Souls, le KP, c'est de la rigolade. Hein. Ouais, je sais pas, il y a comme une grosse différence entre Dark Souls et Cuphead. Enfin, après Dark Souls, je suis pas ultra fan non plus. Hein. Loin de là, hein. J'ai beaucoup joué au premier, mais tu vois le deuxième, je l'ai à peine commencé, et le troisième, j'ai même jamais fini. Enfin, je l'ai fini un jour, quoi. C'est des jeux que je trouve bons, hein, clairement, mais c'est pas des jeux qui m'amusent en fait. C'est des jeux qui me frustrent plus qu'ils m'amusent. Hein. Et je pense que ça va être pareil pour. Je pense. Ah, il y aurait des bricolés. Ok, donc là j'ai le power core, donc là j'imagine qu'il faut que je retourne.
Bah là où c'était bloqué tout en bas dans la zone rouge là je pense, ou la zone verte tout à gauche. Ouais c'est ça. Ah du coup faut que je m'embête à faire demi-tour là. Merde. Pourquoi tu pars c'est plus de Lucan, tu vas carrément y aller en assembleur. Pas le gameplay mais je parle plus sur le fait de mourir pour mieux avancer. Ouais non mais je comprends bien mais mais c'est pour ça que vraiment je t'ai dit moi Dark Souls c'est un bon jeu, y a pas de soucis, mais souvent il me frustre plus qu'il m'amuse quoi. Parce que justement des fois t'as des passages que tu refais plein de fois quoi. En fait, je pense que Dark Souls, il me frustrerait moins si, merde, si quand tu meurs contre un boss, tu recommençais directement au début au boss, quoi. Si t'avais pas à chaque fois le, toi, à revenir jusqu'au boss, quoi. J'avoue, quand t'as un boss qui est dur et que, en plus que t'as t'as même qu'une minute quoi de marche à faire pour y aller, t'as tendance à me gonfler quoi. J'ai oublié aussi mes Mélanie, donc soit Pénolès, tu es pas pété en plomb, ouais. Habilitation de réflexe, t'as les deux, ouais, mais c'est. Ouais, c'est patience, mais après, ça se trouve, je vais adorer, hein, mais et après, de toute façon, ce que je disais, c'est qu'en plus, graphiquement, je le trouve beau, mais ça me plaît pas plus que ça, quoi. Je pense que j'ai eu du mal à accrocher longtemps au rendu comme ça, quoi. C'est pour le fan. C'est drôle d'idée du fan. Hein. Mais c'est parce qu'il est vieux, c'est pour ça. Mais après, ça se trouve, je joue à Cuphead demain, je vais adorer et je vais le camper, hein, mais je pense plutôt que je vais insulter la Terre entière. Après, par contre, c'est très jouable que j'insulte la Terre entière, mais que je continue quand même à y jouer au moins hors stream pour le terminer, quoi. Parce que je pense qu'une fois que j'aurai commencé, ça va m'embêter de pas le terminer, quand même. Surtout que les boss, ils ont l'air vraiment magnifiques et tout, donc ça me. Eh, meurs, toi. On dirait les zombies de Plants vs Zombies, les machins là, quoi. Aïe. Ah, petit point de sauvegarde. Coûte une dizaine d'heures de jeu pour le mode normal, d'accord. Ouais. C'est les deux machins qu'on fait le meilleur trick. C'est les deux machins qu'on perd le plus de temps. La 19 ça tendra. C'est juste insupportable. Ah non mais l'infiltration, pourquoi infiltration quoi? Je déteste l'infiltration hein.
Ok, donc là a priori j'ai plus que... Oula! Merde. Je m'entraide pour Cuphead. Bah du coup là je peux plus switcher entre les trois maintenant. Alors attends, pas là, vieux Vulcan c'est pas vieux, faire parallax scrolling en C++ et Vulcan, c'est vraiment une approche ancienne. C'est un Mega Man deck, les mêmes patterns pour les boss. Bah ouais c'est un Metroidvania a priori. En gros j'ai En gros t'as trois bonhommes, voilà c'est un nouveau une nouvelle map. T'as trois malas, mais tu peux switcher de l'un à l'autre pour avoir des effets différents, quoi. Il y en a un qui a un double jump, l'autre qui peut pousser les grosses casses. Et a priori, il faut aller défoncer les super robots. Là, par exemple, tu vois, là, si j'avais le gros costaud, je pourrais pousser ce bloc, quoi. Mais pour l'instant, je ne peux pas, ce jeu ne l'est plus. Anciennement OpenGL Next, une signification OpenGL, OpenGL, là, l'OpenGL je l'avais fait à l'IUT quoi. T'as mon prof d'OpenGL c'était un gros con. Mais vraiment, un gros gros con quoi. Je pouvais pas le piffrer. Bon, c'était réciproque mais... Après, de toute façon, pour les Master E-Rank, tu peux aussi voir aussi pas mal de vidéos sur le net, quoi, pour voir un peu comment ils ont fait. Mais c'est clair que je pense que ça va bien me gaver, ça. Hop, pardon. Alors, qu'est-ce qui se passe par ici? Bah, pour l'ambiance, ça me fait un petit peu penser à... Merde, comment il s'appelle ce jeu? À Mercenary Kings. Hein. Non, mieux alors, non, mais je parlais pour l'ambiance générale du titre, enfin, vite fait quoi. Je vais pas vous buter, mais vous êtes tellement moche aussi. Ah, c'est Craig Jenkins. Ok, donc il y a des trucs qui refilent de la bouffe. Je suis blindé de thunes en fait, j'ai 109 pièces. Ouf ouf ouf, hein, évidemment. Oh, c'est qui lui, Freddy? A
Bah ouais, mais clairement, mec, attends, j'arrive. On va défoncer tout le monde dans ta maison. Merde. Par contre, on peut pas tirer en diagonale, c'est chiant ça. Et c'est tout, y a rien de... Ok, bon. Ouais, peut-être que j'y retourne un jour où je pourrais péter les tortures. Y a des vidéos, mais bon, faut reprendre le routing à genre 25. Oh la vache, ouais. Tu as pu faire un BF, tu vois, du frère. Très bien. Très bien. Tu les gars, nanana, et comme tu le replace, tu le replace. Alors qu'est-ce qu'il me propose lui? Emergency Beacon, Temperature Pack, Only good for one use. Increase damage done by Sage Ripple. Bah ouais, les dégâts ouais carrément. Ouais, j'ai pas assez de thunes pour la range, dommage. Ah, dommage. Donc, il me faut 4 life cubes pour avoir une blessing. Ouais, bah go. Pour l'instant, je peux pas aller là. Du chemin, comme c'est framisé, c'est pas grave, y a pas de commerce derrière. But the news is no, if you want to lag, I can maintain the safety, it can fail, no. D'accord, bon voilà, du coup, l'hélicoptère il est mort. Et c'est Serfu. Alors, l'hélicoptère il est mort, donc il vient de me filer un truc pour aller récupérer, des pièces de rechange sur un hélicoptère qui s'est crashé il y a quelques temps. Metal Slug like, non, ouais, plus Metroidvania, ouais, clairement, quoi. Parce que c'est beaucoup plus lent que sur un Metal Slug, tu vois, c'est... Donc là, j'ai plus qu'un seul un seul personnage, mais sinon, je vais pouvoir... À terme, je vais pouvoir re-switcher entre trois persos différents, en fait. Et sinon, bah voilà, voilà la map du jeu pour le moment, quoi. Donc sachant que ça, c'était la première map, donc Résistance Caverne. Et là, c'est Tumbleweed et Desert. Elle est cool la musique. Oh. C'est un petit peu western.
Yo, brother. Riven, trop fort combo, 30 secondes, ça marche, l'étoile vulnérable dans une mission, soit là. D'accord, ok, nickel. Enfin, j'irai faire ça, quoi. Faut aller plage des graviers, t'as. Qu'on entend pas des masses, la musique. Ok, bah j'ai remettre encore un peu plus fort alors. Je vais monter encore un peu. Attends, voir ce que je vais faire. Attendez, je vais laisser à 10 pour pas que ça me pète trop les oreilles. Mais je vais monter le son sur. Vous me direz, c'est mieux ou pas? Coupe à Taylor dans la main. Ouais, c'est. Ouais. Et du coup, tiens, Brodas, je ferai du Cuphead demain. Je sais plus si je te l'ai dit ou pas. L'avantage de la coupe là, c'est que ça n'a jamais été aussi vite et aussi rapide pour me couper les cheveux, quoi. Yep. Oh, rien de spécial. C'est ça, tondeuse. C'est tout à fait ça. Et c'est mieux du coup la musique ou pas là? Enfin le son. Merde. Je pense qu'après je vais pouvoir faire une roulade ou un truc comme ça quoi. S'il y a pas mal d'endroits où on voit qu'il y a un espace pour passer mais et pour l'instant je peux pas encore. Merde. Ah, il y avait un truc en bas à récupérer. Ah, c'est un médiqué, ce truc-là. Ouais, donc dès que vous sortez d'une zone et que vous y revenez, hein, elle a complètement reset. Hein. Oui, tu vas pouvoir te transformer en poulet. Comme en Diablo 3? D'ailleurs, Diablo 3, je l'ai marqué. La prochaine saison, ça sera début novembre. Le 7 novembre, je crois. Ou un truc du genre. Ouais, c'était le 7, je crois. C'est un jeudi. Je sais pas encore si j'y jouerai. Je pense que oui, mais j'en sais rien. Je suis un peu en sortie solo, mais oui, c'est mieux. Nanana, fin, voilà. Après de regarder Dragon Ball, mais ce dragon, on peut attendre. Plus qu'il y a une rage de blessure sur Cuphead, ouais. Première fois que je suis en stream, ça parle de coiffure. Merci beaucoup. Cuphead de ST, génial. Comme dans Guacamelee, espèce de monstre. T'as Guacamelee était tellement cool ce jeu. Ah, mais je confirme, Guacamelee, j'avais adoré.
J'avais vraiment vraiment adoré. Oh bah non. C'est vrai, vous êtes tout autant. C'est vrai, c'est quoi? C'est le jeu des mecs qui ont fait YouTube. Zone des 3, c'est encore celle qui était en juillet. Bah ouais, c'est ça, ouais, c'est 111 et... Ça se termine, ouais, ça se termine au Camtour. Ça se termine à la fin du mois, je crois, et du coup, l'autre commence début novembre. Oh, c'est Sunderland, ah. Ouais, si Sunderland, c'est vraiment pas terrible. Celle-là, je l'ai faite alors avec Regain Arctic et Jean-Francis, d'accord. Après, je pense que je ferai un petit peu le début de la saison 12, hein, comme d'hab. Voilà. Je savais bien qu'il y a un petit peu secret. Ouais, Sunderland, il a l'air tout pourri. Ouais. Non, par contre, j'allais voir ce que c'est. Merde. Vas-y, t'as qu'à me tirer dessus pendant que je fais des alt tabs. Attends, je vais voir ce que c'est, ça veut être, parce que ça me dirait et tout. Et après, ouais, je pense que la. Je pense que saison 12, je vais la faire un petit peu. Mais juste un petit peu, parce qu'après, il y a. Après, il y a. Il y a End of Fate 2 qui sort. Et ça m'intéresse beaucoup plus, quoi. Ouais, c'est clair. Après, du coup, je pense que cette saison-là, je vais faire soit Mage, soit Demon Hunter, je pense. Hein. Comme ça me changera un peu. Merde, quel con. Après, Demon Hunter, j'ai jamais aimé, donc... Je vois pas trop pourquoi j'aimerais plus qu'aussi, mais... Alors du coup je suis tout là-haut, très bien. Après ce qui est bizarre c'est qu'il y a pas d'objectif quoi, c'est même pas comme si on me disait va là-bas. Là j'avance juste. Mais quel blaireau. Sur ton planning de Minority Warframe. Ouais, alors en fait le truc qui se passe c'est que j'attends avec impatience l'extension de Warframe en fait. Donc Plane of Eidolon qui sort cette semaine mais ils ont pas dit quand. Du coup je sais pas pourquoi je m'étais dit ah, avec un peu de chance ça va peut-être sortir le mercredi mais bon enfin en mieux une semaine mais bon je pense que c'est mort. Donc c'est pour ça je pense que demain je serai le QPad. Et voilà. Et en plus à la base c'était pas non plus... Ouh il y a un boss là. Ouais. C'était pas non plus prévu que je récupère Cuphead en fait. Et finalement je pouvais l'avoir donc j'en profite quoi.
Match à toi comme d'hasard. Zut. Merde. Ah. Merde. Et Unibility, ah voilà, combat roll. Alors. Bon, on va pas de poulet, hein, Christophe, hein, une roulade. Alors, du coup, là, j'ai le choix, soit je pourrais revenir au début pour utiliser ma roulade à plein d'endroits, soit je peux continuer l'aventure. Donc, je pense que pour l'instant, je vais continuer l'aventure sans trop m'embêter. Hop. On va y avoir plus de build diable en HL, ce qui est annoncé. Ouais, d'après les premiers retours que j'ai lus sur le truc de test, apparemment il y a plusieurs builds vers là-bas. Je pense top vers les 700-800. Pourquoi? Pour cette saison ou la prochaine? Bon, tous les ennemis ont une tête qui vole, que tu peux retaper en l'air. Hein. Cool, de la thune. Hein. Vous êtes sûr qu'ils activent pas Ashes of Mammoth ce soir, ce matin? Je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Enfin, on Bordel, vous êtes en train de parler bouffe, c'est ça, quoi. Ouais, pour Ashes, j'en ai absolument aucune idée, quoi.
Je sais pas du tout s'ils ont communiqué sur le moment auquel moment auquel ils vont activer l'extension. Merde, j'ai cru que c'était un bonus quoi. Ouais, mais là je suis toujours bloqué parce que j'ai pas le gros. Zut. J'ai eu du mal à communiquer la date, alors là, ouais, c'est pas faux. Ah, tu me diras, pour l'instant, là, pour Warframe, on sait que c'est cette semaine, mais. Bah, après, ils mettent un message par jour, hein, quand même, sur Warframe, là, ils. Merde, quel con. Ils mettent un message par jour pour rappeler les ajouts, mais. J'étais pas allé par là tout à l'heure. Ouais, je suis jamais allé par ici. Mais non, mais non. Je me rappelais plus exactement c'est le kicker 43, c'est un goût vanille banana. Mince. Ah voilà le pack que je cherchais d'hélicoptère là. Ok. Donc c'est bon, on va pouvoir revenir en ville maintenant. Hop, on a récupéré le kit pour réparer l'hélico. Oh. Et son chat, ça devient quoi? Bah écoute, je pense qu'il travaille toujours dessus. Ah, je pense. Tu peux remplacer le picon. Non, non, tu remplaces pas le picon. Jamais de la vie, tu remplaces pas du picon. Yep, Yang. Je n'existe que les Apex. Merde. Ouais.
Ah, je vous indique que je n'en ai pas, j'ai l'impression. Par contre, on a une pâte à crêpes à la place d'un très grand marnier ou du rhum. C'était quoi ici? Je sais même plus. J'étais allé là ou pas? Mais ça ramène au. Bah non, mais c'est juste que j'ai changé de zone. Mais par là, il y avait quoi à gauche? Ah, il y a rien en fait. Ok, d'accord. Ok, attends. Oh. Ok, ça marche, des bisous Arctic. Tiens mec, j'ai ce que t'as besoin. Ok. Si vous voulez, lui. Voilà. Ok, donc voilà, donc comme j'ai récupéré 4 petits lave-queues, j'ai un point de vie en plus maintenant. Enfin, j'ai un carré en plus. Alors du coup, qu'est-ce qu'il me propose? Des dégâts encore en plus, mais j'ai pas assez de thunes. Ou alors ça, ouais, très bien. J'hésite presque à prendre ça pour me téléporter à la ville en fait. Ouais, je vais le prendre, ça paraît pas mal. Hein. Ouais, c'est pour les dégâts par contre. Hein. Allez, go, on y va. Merde, c'est où que je dois aller? Je sais même plus. Attends, c'est quoi ma mission? Je sais même plus. Je sais plus ce qu'il m'avait demandé de faire Jean-Michel. Putain, c'est le description de Verys, mais j'aime plus où fallait aller quoi. Full Raven, 16 sur 15. Elle a vu l'alcool dangereux pour la santé. C'est bien. Aurais-je eu un Press the Sun? Ah bon? Ah, j'ai pas fait gaffe. Pam pam. Pam pam. Bah on va aller où? On va aller à... je sais pas... Emerald Woods peut-être? Ouais, tant que j'ai pas le double saut, je pense que je peux pas. Hein, bah... On va le tenter pour le... Oh, quoique. On va dire que non. Si à un moment je suis bloqué, je regarderai, mais... Mais je pense qu'il me faut l'autre personnage qui a le double saut, quoi.
pas comment péter les petits cubes là. Sauvegarder. Comment je peux avoir le truc là-haut? Zut. Ouais, faut tomber dessus, mais ouais, si par. Ouais. Je pense que j'aurais dû effectivement dû aller à droite au début. On ira tout à l'heure. Allez. Jeune Rouen n'a pas eu tout le meilleur moyen d'évoluer en milieu exigu. Tu veux dire que ce serait mieux de ramper, c'est ça? Attends, ils m'ont emmené où? Le truc, c'est que je sais toujours pas comment péter les machins là, donc.
Oh. 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 Ils sont pas super performants quand même leurs chars. Je trouve qu'il y a une faille quand même avec leur char. Ouais, pour l'instant c'est gentil et sans plus quoi, voilà. C'est pas. Ça se laisse jouer quoi. Hey, t'as un bon maîtrise de vanne, merde. Qu'est-ce que c'est? Ah putain, je viens de tomber. Si tu me rends le deux, ça aurait pu, mais faut pas oublier que c'est Yang. Aïe. Ah, peu hardcore, d'accord, nickel. J'ai posé la question, quels sont les critères? Backtracking 2, mais encore, maîtriser de manière un titre du jeu ne marche pas. Backtracking check. Le 1 était pas top à ce niveau. Aïe. Bah dans le 2 en fait t'as beaucoup d'outils en fait qui te permettent d'évoluer rapidement dans les zones et qui du coup t'incitent vraiment grandement à revenir sur tes pas, à fouiller partout et ainsi de suite quoi. Bon, une armée où il y a des mecs qui ont les tronçonneuses, ça me paraît quand même bizarre quand même. Oui.
tellement pris cher là. Allô? Mais quel con. Là, je suis où là? Ouais, non, ça me donne. Ah, basse, alors attendez. Alors, le 2 complètement, le 1, je l'ai pas du tout fini. C'était probablement un plateforme flanqué au sol de 20 dégâts. Il y avait pas de plateforme, ouais, putain. Mon dieu, ah merde. Tu m'aurais dit que 2, ouais, putain. Et trop sonné, ce qui te font bizarre, perso, la peau criblée et les yeux rouges, ça me fait moyen. Et ce sont des super soldats. Oula. Commander Armstrong. Merde. Ah écoute, j'ai retrouvé en patte. Hein. Cool. Ok, donc là on va retrouver le gros Brunos. Après, ce qui m'embête un peu dans le jeu, c'est qu'il n'y a pas de téléporteur en fait. Du coup, il y a des endroits où j'aimerais bien retourner, genre tout à droite, mais j'ai la flemme de retraverser tout le niveau en fait. Donc je pense qu'on va juste se barrer et puis tant pis pour les zones tout à droite quoi. J'adore l'univers Team World S, mais pas Dig. Ah ouais? Ah lui peut-être les péter avec ça non? Non. Bon bah je sais pas avec quoi il faudra casser ça. Ah mais attends mais je suis con. Inventaire. Attends, en même temps ouais en même temps non je suis à la. Ça a rien de craquer ma beacon maintenant alors que j'ai fait le chemin de retour quoi.
Deux mecs. On va aller dans les mines. Allez hop, comme ça on va regarder tout d'un coup. Alors c'est mon amour, même si j'ai pas eu le courage de le finir, la vraie d'électron m'a trop refroidi. Sur M, on attend en mode in-game plus pour avoir une autre forme. Sur Hob? Sur Hob, tu parles? Sur Hob, non, il n'y a pas de. Je veux pas spoiler en fait sur Hob, mais. Il y a des trucs à faire si. Bien. Ouais, sur Hub, attends, je vais te répondre en MP parce que j'ai pas envie de spoiler. Il y a deux trucs que je t'ai envoyé, ça te. Tu comprends quand même l'histoire normalement, quoi. Mais après, ça reste un petit peu cryptique quand même, hein. C'est pas non plus. Mais sinon, après, je pense pas qu'il y ait prévu de suite au jeu. Hein. Ouais, du coup, on devrait retrouver notre autre copain là, notre copain double jump. T'en es où toi? T'as fini, regarde, ah bah. Débloquer 3, manque 2 morts. D'accord, ok. Ah bah, ça, moi aussi j'ai galéré. Pour un des deux trucs qui te manque, j'ai galéré aussi, et en fait, c'est un premier donjon que j'ai raté. Raiden 5 sur PC. Il est déjà débloqué, Raiden 5? Il sortait quand? Gilles de Roi, nanana, avec d'accord. Bah, de toute façon, t'as accès aux deux, hein, regarde. C'est une sauvegarde qui est juste avant, donc t'as juste à relancer ta sauvegarde et. Et tu peux avoir l'autre, hein, pas de. Aujourd'hui, d'accord. Ah, peut-être que je vois pour le récupérer d'ailleurs. Ça pourrait être cool ça, Raiden 5. Hein. Aïe. Oh là là, oh là là. Bien, j'ai bien fait avoir. En tout cas, maintenant, ouais, pour eux, je pense pas qu'ils aient prévu de suite, puis vu le temps qu'ils ont mis à faire le premier.
Mais je joue mal, non? De la thune. Là, je disais prendre à Gundam que l'intention de changer ma machine commence à dater. Nanana. D'accord, ouais. Ah bien, c'est des plateformes qui s'enlèvent. RLN5, il est sur quoi? Il est sur tous les trucs, genre sur GOG, sur Steam, etc. Ou il est que sur certains. Que sur certains sites. Enfin, distributeurs, on va dire. Oh, mais non, mais. Aïe. Oh bah non.
pour l'instant ça me fait un peu la même sensation que Greedy Guns en fait. Pas un mauvais jeu, mais pas un jeu transcendant quoi. Le genre de jeu, je vais le terminer parce qu'il est pas mauvais, mais un jeu où j'ai du mal à le conseiller parce qu'il y a plein d'autres jeux qui sont mieux quoi, dans le même style. Hein. Ouais, j'ai un maquis chez lui. Alors, palalala. Sur GOG, ils affichent le prix avec ou sans TVA, il y a même remis sur Steam, et sur GOG, il est moins cher. D'accord. Pas du tout si on a récupéré GameSize Story, le jeu. C'est édité par qui, Raiden 5? C'est la conversion $€. Ah ouais, c'est possible ce soir, en effet. Ils débloquent dans 20h. Ouais, j'ai vu qu'ils avaient fait une page Steam exprès pour le DLC, ouais. 20h, il est quoi? Il est 22h et quelques. Ouais, du coup, ils débloquent demain soir, quoi. Demain soir, 19h, comme d'hab, en fait, quoi. Enfin, à peu près, quoi. À la louche, qu'on va dire ça. En gros, ils se débloquent comme un jeu qui sortirait le 11, quoi. C'est déjà 1h30 que je joue au jeu, quoi. Après, j'ai pas eu le temps passé, quand même, pour l'instant, donc. Merde. Quel connard. Enfin, quel connard, oui et non, si on. Si, ouais. Je pense que je vais arriver au boss pour débloquer mon troisième perso. Hein. Bah, le boss. Et 4 mandés. Alors, du coup, c'est quoi une grosse foreuse, ouais, logique. Drillmaster 100 000.
En fait, c'est moins cher sur Malbonnel si t'as pris le pack Doctor. D'accord. Allez hop, mon copinou. Un seul bug, je pensais que t'étais mis en jeu de jonglage avec toutes ces billes. Je pense que là je vais utiliser mon beacon, on va pas se faire chier. Hop, voilà. Donc là évidemment j'ai plein d'upgrades différentes maintenant vu qu'il y a des. Vu que j'ai récupéré tout le monde, j'ai récupéré le launcher et le lance-grenade. Mais je pense que je vais continuer à bourrer là-dessus. Hein. Ah merde, ça, je me rappelle plus où c'était le truc là. Quelqu'un a noté où il fallait récupérer le Krypton Device là, machin, hein? C'est moi, j'ai absolument rien noté. Ah, vous me direz comme d'habitude, mais. Par contre, non, je peux peut-être aller sabater les tortues là. Top Mountain, je peux aller à gauche à un moment là-bas. Top Mountain, c'est par où? C'est par là, je crois. Je vais essayer là où je suis pas encore allé. Hein. Mais par contre, c'est vrai que c'est un peu dommage qu'on puisse pas se téléporter dans les jeux comme ça. Je trouve que c'est vachement important qu'on puisse se téléporter au moins de zone en zone, quoi, en fait. Que... Alors, c'était pas mal de pouvoir passer un téléporteur à un autre, quoi.
bien, fait que je passe par en haut. Bon, ouais, du coup c'était qu'un bonus par ici, normal. Oh mais en plus c'est que de la thune. Bon, bah je vais me barrer d'ici. Aïe. Bon, du coup, la première zone, c'est pas très concluant, le Cloud Top Mountain, là. Alors, où est-ce que je suis pas allé? Il y a Emerald Wood, j'ai pas trop... on va y retourner là. Ah, c'est ici où il fallait le double de saut au sang. Bon, ça par contre, je sais toujours pas comment. Gap.
Très bien. Ah, un Asphax. Ouais, j'ai pas pensé aller voir j'ai pas pensé aller voir Roger là qui me file des points de vie en plus en ville là. Tant pis hein. Oh.
Ouais, je vais aller à gauche. 29,50%. D'accord, donc je suis à 30% du jeu apparemment. J'avais pas fait gaffe, il y a l'indication à droite. Ah, de la thune. Pépépépépé. En fait, on parlait de Metroidvania tout à l'heure en disant lesquels étaient très bons, etc. Hollow Knight, hein, on ne peut pas ne pas citer Hollow Knight quand même. Eh bien, bon. Exactement ce que je ne voulais pas faire. Mais non. Encore cette statue bizarre là. Merde. Je pensais qu'il y aurait un secret à cet endroit là en fait. Ouais, du coup, vu que je viens de choper un succès, à mon avis, j'ai assez pour récupérer un deuxième cœur de point, enfin, un deuxième point de vie en plus en ville.
Ah. Ah bah c'est un go. Un gros gorille. Et du coup, il a l'air un peu vénère le gros gorille. Faut voir ta thématique à chaque fois. Merde. Ah non. Oh merde, j'ai pas le bon. Mais non, quel con. Bon après, en vrai, je pense que j'ai pas besoin de double saut hein, pour esquiver les trucs, mais c'est plus facile quoi. Voilà. C'est quoi que j'ai débloqué là? J'ai débloqué un truc, mais je sais pas ce que c'est. Ah, je crois que j'ai débloqué la possibilité de... Ok. Ouais, donc maintenant je peux me balader sur les barres comme ça.
Pourquoi le singe y explose? Parce que c'est un singe mécanique. C'est un méchant, c'est tout, les méchants ça explose. Ah, j'ai pas fait gaffe non plus en bas à droite, c'est écrit tous les trucs à trouver dans chaque zone en fait. Donc là j'ai 8 coffres verts, 2 trucs de soins, 7 machins de santé là. Et du coup je pense que j'ai débloqué tout ce que j'avais à faire sur Emerald Woods là. Je pense hein. Enfin j'en sais rien. Mais... Bon. Ah bah très bien. Et c'est là que je suis toujours bloqué par contre. Je sais pas si j'ai d'autres trucs à voir en fait à droite là. Ah donc ça c'est bloqué aussi donc Et après par là c'était quoi? C'est la base militaire? C'était quoi? Je sais plus. Ouais, c'est la base militaire ça. Au pire, je peux aller voir la base militaire tout en bas à gauche déjà ce qu'il y a. C'est chiant, je serais bien les sauvegarder, mais tant pis, enfin, je serais bien passé en ville quoi. Et au spawn. Je vais essayer d'aller voir tout en bas à gauche, ouais, s'il y a moyen. C'est chiant parce que dès que tu essaies d'aller vite, tu peux pas voir où tu tombes et du coup et du coup tu te prends des dégâts bêtes quoi. Exemple. Après le jeu est plutôt sympa, il refait pas mal de points de vie mais... Mais non, mais non. Warframe en train d'aller. Après, il n'y a pas encore eu de. On ne savait toujours pas hein, quand est-ce qu'il sort, quand est-ce qu'elle sort l'expansion.
Les gens s'accorderaient à dire jeudi ou vendredi, quoi. Après, tant que le studio n'a pas communiqué. Bah, t'as bien fait de mettre à jour parce que. Bah, déjà, il y a quand même pas mal de gigas téléchargés pour le jeu de base. Et je pense que l'extension, elle. Elle va être assez copieuse aussi en termes de place, quoi. J'ai plus beaucoup de points de vie de faire connerie, non? Ah merde, mais j'étais bloqué là, mais ouais, mais je peux pas aller plus loin de toute façon. Ah, ça c'est vraiment relou par contre. Hein. Zut. Surtout qu'en plus en haut à droite, à mon avis, c'était là où il y avait le boss, un truc comme ça, je pense pas que. Mon pote est dessiné, il craint. Ah, c'est qui? C'est Tinkus qui s'est mis ou un autre pote, hein? Bon, moi, Tinkus, je pense pas, je crois qu'il voulait terminer PE, quoi. Center de Gungeon, ça sans Metroidvania. Non, sans Metroidvania tout court, y'a pas de. Ouais, il crame, je pense, qu'il est en train de. Il est en train de défoncer le jeu. Ouais. Ah, le récit, d'accord. Il est en train de camper le jeu. Du coup, ouais, c'est un petit Metroidvania où il y a. Où en gros, t'as trois personnages différents. Donc, t'as lui avec la mitraillette et qui a la possibilité de faire des roulades et de s'agripper maintenant au poteau en haut. Il y a lui qui a un lance-grenade et qui peut pousser les trucs lourds. Lui qui a un double saut et un shotgun. Et après, j'imagine que le gros costaud, c'est lui qui va me permettre de péter les blocs qu'on a vus. Que je ne peux pas passer pour le moment. Ah merde. Putain, mais je suis déjà passé par là il y a pas longtemps avant. Aïe. Putain, je suis allé par là il y a vraiment pas longtemps en fait. Pourquoi je suis pas allé tout en haut à droite, quoi? Mais ouais, non, franchement, Warframe il est vraiment très très cool. Hein. Point d'exclamation code. Bonjour! Bordel. I can have the call for your game, yeah, of course. Give you soon.
Yep. No problem, have fun. Il y avait une zone secrète que j'ai ratée, bon, c'est toujours ça de pris. Ah, mais j'y étais pas allé, non? J'ai fini de sortir avec les autres, t'as qu'à te pointer. Ouais, bah je pense que j'arriverai d'ici un petit quart d'heure, à mon avis, quoi. Dommage sur Battle Chaser, il a compris sur mini boss que les curse fait 2, t'as pris tout sur un mini boss. Ah, Battle Chaser, c'est quand même bien fait allumé sur Gamekult, j'ai vu. Hein. Enfin bien, allumé dans le sens où, tu sens que Gotose il aurait voulu mettre plus, mais qu'il y a trop de trucs qui lui ont déplu dans le jeu, quoi. Enfin, en fait, surtout le principe de... Merde. Apparemment, c'est surtout le grinding qui lui a posé problème. Bon, là on est d'accord, j'ai plus rien à choper, hein, donc autant que je back. Je vais aller chercher des points de vie en plus. Hop. Voilà. Alors, du coup, je peux augmenter. Ah, mais il y a que deux upgrades par arme, apparemment. Alors, peut-être que je continue à monter, j'en sais rien. Ouais, ça ira bien, ça. Donc, le Top Mountain c'est fait, Emerald Wool c'est fait, Mitari Pass c'est fait, Blackstone Mines, alors j'imagine qu'il y a des endroits où je suis pas encore allé. Hein. Battle Chaser, ouais. Je suis pas emballé, mais c'est pas un mauvais jeu, je suis trop frustré par le contenu, très délié. Alors, en fait, ce qu'il disait de Battle Chaser, apparemment, Gotos, c'est que vraiment il y a un moment où t'es obligé de grind comme un porcelet, comme un porcelet en fait. C'est que dans le jeu, le moindre mob qui a genre un niveau de plus que toi, c'est très difficile. Et il y a des moments où t'es obligé de farmer pendant 2-3 niveaux comme ça, de façon bête et méchante, quoi. Ouais, mais là, je sais toujours pas comment j'y vais en fait. Ah, bah si, je sais comment j'y vais. Et voilà, maintenant je peux me suspendre. Ah ouais, mais si le truc il passerait à les plateformes aussi. Du reste, de mécanique, je serais bien dosé, peut-être trop facile pendant trop longtemps. Bah, où je suis, il m'a fait de la bête HCM justement, j'avais pas de nouveau difficulté mécanique. Bah. En fait, apparemment, il y a vraiment un moment où t'es obligé de farmer, enfin de grinder, quitte à refaire encore et encore le truc que tu viens de terminer, quoi. En fait, c'est un peu dommage, quoi.
Après, j'imagine que ça va dépendre d'où t'en es rendu, Regain, quoi. Il disait que c'était peut-être plus sur la deuxième partie du jeu, je sais plus exactement. Zut. À chaque difficulté, je pense que tu auras jamais besoin de grinder. Bah, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. Même senti à la rage si on est au-dessus du niveau level. Alors, là, je ne peux pas dire ce que Eh merde. Exercer un moyen de plus de dommages sur la barre de vie, c'est déjà très compliqué. Là. Ok, donc là je suis bloqué, j'ai toujours pas la compétence pour péter ça. Hein. Bon, encore une fois, je pense que c'est le gros qui va le récupérer le truc là. Mais bon, pour l'instant, j'ai rien. Bah non. Oh, Dyson! Oh, comme c'est gentil, mon Dyson, t'as pour 4 mois à la classe là. C'est bon. Je suis plein d'études. Wouhou! Ah, mais commence par faire hop, hop, c'est cool. Hein. Hop, c'est cool, c'est reposant. Il y en a pour 8-10 heures tranquillement, de jolies balades. Merde. Mais c'est cool, Dyson, il file du pognon, mais il va même pas dire bonjour, il va même pas discuter, quoi.
Ah merde. Je suis en mode ninja. Yoda-san pour faire. Ah bah non. Mais quel con, j'étais tellement sûr en plus d'être passé comme ça. Ah mais c'est vrai qu'il tape, il tire deux fois. Ouais. Oh la vache. Bon, j'ai pas été foutu d'attraper la barre une seule fois, GG. Bon, faut que je fasse gaffe, hein, j'ai plus qu'un demi point de vie là. Il veut plus me filer dessus de bouffe. Mais je pense qu'il y a une sauvegarde dans pas longtemps là. Voilà, déjà des points de vie en plus, ça fait cool. Suivant après boss qui m'a cœur qui était là, c'est le slam des égouts, celui-là un peu à l'avance, tout tombait, d'accord. Non! Ouf! Là, mes persos ont été one shot en normal, après on tourne rien, après qu'il peut être détruit. Ok. Ah, mais non, mais si je cours dans les tirs ennemis aussi, ça va pas le faire. Hein. Ah, point de sauvegarde, donc j'imagine qu'on arrive, on arrive au boss. Je pense que je m'arrêterai à cet endroit-là. S'il y a bien le boss à cet endroit-là, je pense que je m'arrêterai dans la foulée. Jeu que tu dis que c'est de la merde, faut attendre sur mes peu.
Merde. Ok. Merde. T'as l'air de sauvegarder là, parce que j'ai plus de points de vie là. Hop, voilà. Ah, t'as regardé les points que t'as eu en ton arme de talent. Ah, mais tu l'as fini toi, Battle Chaser, rien? Eh merde. Voilà. Je fais exprès de me faire toucher, c'est pas possible autrement. Oh, normal lui, d'accord. Bien joué. Excellent timing. Un peu plus, j'ai raté la boulette. Elle est où la boulette? Oh bah non. Ça c'est vraiment neuf de... Oh purée. Drop non normalement non. Non, pour pas aller sur des trois. Oui c'est vrai. J'avais oublié cette technique dessus.
Je peux me latine, bon, latine DJ. D'ailleurs, tu fais toujours le cacadic le vendredi ou pas, ouais? J'imagine que oui. Hein. Ouais, je suis pas bien là. Oh, le traditionnel de CPS, c'est vrai? Merde. Oh, c'est triste ça quand même. Oh purée. Sur 34 heures, tu vas tuer une trentaine d'heures. J'ai commencé, mais j'arrive pas à comprendre. C'est que j'ai du mal à comprendre comment tu peux être autant addict à Diablo 3, quoi. Surtout, c'est pas comme si tu découvrais le jeu, quoi. C'est ça qui me fait halluciner. C'est bon, Diablo 3, au début, on le campe parce qu'on connaît pas, etc., quoi, mais. Mais vu le nombre d'heures qu'il a déjà passé dessus, c'est... Enfin, faire une petite Blizzard, ouais... Mais... Ah voilà, et un petit boss. Et on se fait ce boss là et ouah. Thank you.
Oh mais quel mongolo! Putain, c'est con, je vais mourir à... Voilà, en faisant n'importe quoi. Pas être pire qu'un transfert associé, enfin le seul jeu qui soit juste là, il nous manque le temps de jeu de connexion, là, paf le bestiau, ouais. Non mais j'y retourne. Je sais pas s'il me l'a gardé le truc que j'ai récupéré, non il a rien gardé du tout. J'ai demandé pour utiliser Kataz, mais ouais, tourbilol quoi. Je vais juste aller voir si au-dessus y a pas un... Oh, s'il te plaît, quoi. Ouais. Je suis un peu déçu de pas avoir augmenté la range du fusil à pompe. En fait. Oh, s'il te plaît, quoi. Et ouais, maintenant moi aussi je vais pouvoir tourner là. Ah, c'est ma roulette qui. Non. Ah, d'accord, c'est mon flingue qui peut péter les trucs maintenant. Très bien. C'est ça. Il va plus rien. C'est des mots quand t'as des gamins, quoi. Au dernier moment, tu te rappelles que non, il faut pas dire putain, donc.
Mais en vrai, là, il faudrait que j'aille sauvegarder en fait. Hein. Ça pourrait être pas mal hein, plutôt que. Ouais. J'aurais pas dû aller par là, j'aurais dû aller de l'autre côté directement pour aller sauvegarder. Je vais m'arrêter là pour aller voir comment ça se passe sur Rocket League. Hein. Bon bah du coup je m'arrête là hein, pour ce soir, mais honnêtement Mega Strike c'était sympa. Alors c'est pas voilà, c'est pas le jeu de l'année hein, clairement, c'est pas la meilleure Metroidvania du monde, mais ça fait le taf, c'est plutôt plaisant à jouer. Y a mieux clairement, hein, surtout quand tu sors une année où il y a eu Hollow Knight en février je crois, bon bah ouais, c'est un peu mort pour faire Metroidvania dans l'année. Mais non, c'était plaisant là, j'ai passé ah oui j'ai passé quasiment 3 heures dessus, hein, donc ouais. J'ai pas trop de temps passé. J'ai pas regardé à combien j'en étais en. Attendez. Bon, alors tu es à 46%, donc ouais. Donc après, peut-être que la durée de vie, ça va être un peu court par contre. Hein. Peut-être sans le Metroidvania qu'on boucle en 5 heures à peu près. Ça fait un peu peu pour ce type de jeu, mais bon. C'était plutôt cool quand même, c'est bien amusé quoi. Bon, bah écoutez, des bisous tout le monde. Je vous dis à demain soir, donc demain soir sera vers 22h. Attends, je réfléchis. Ouais, ça sera 22h. Et je jouerai à Cuphead normalement. Alors je pense que demain à Cuphead, effectivement s'il y avait une emote purée, elle pourrait me servir. Parce que c'est possible que j'insulte un peu des mamans quand même, hein, c'est voilà. Mais du coup donc demain soir Cuphead, et quand j'en aurai marre que je rage quitte, je pense que je passerai sur Warframe. Et après pour la fin de semaine, je garde toujours Warframe jeudi, Warframe vendredi. On attend de voir un petit peu comment ça se passe, à quel moment sortent les plaines et tout quoi. Du coup peut-être que jeudi je ferai autre chose, mais je sais pas encore. Voilà. Allez, des bisous à demain.